Ok les potes, nouvelle boutique. Aujourd'hui on est le 20 mars. Ça passe vite les jours, enfin vite, si on veut. Je serais que expliquer, je trouvais que c'était très long pour moi. Donc normalement aujourd'hui on est lundi, j'espère avoir de bonnes nouvelles pour mon PC, les gars, on croise les doigts. Enfin surtout je croise beaucoup les doigts. Parce que j'en ai un peu marre de jouer. Je sais plus quoi faire, mais j'en ai un. Netflix, j'ai plus grand chose à regarder. Genre, je suis prêt à regarder des séries que j'ai déjà vues plein de fois. Tellement que je me fais chier. Vraiment. Donc j'espère vraiment de pouvoir rejouer un jour un jeu vidéo sur un PC parce que là je commence à. Ça vient par un chef de tourner en rond. Bref, n'oublie pas le petit code créateur, j'ai la gameuse. Et du coup, on est parti pour la boutique. Donc pas le de temps. Alors du coup, on a le retour du skin bannière, filles et garçons. Ça, c'est, on connaît bien les petits revêtements. On a la petite cape. On a également le bouclier. J'adore le bouclier. J'ai beaucoup joué avec le bouclier. La petite pioche, l'émote et du coup le petit planeur. Ensuite, nous avons séparément tous les skins sur la vue sur les blocs. Bon, je vais vous les montrer un par un. Vous les connaissez. La petite cape, tout ça. Bon, je vous les montre rapidement quand même. Si vous jamais vous devez acheter un lame tout seul, sans, tous les trucs sont à 500 V-Bucks, à part les skins sur la vue. On a du coup le retour du skin funèbre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui devraient. Moi j'aime bien le skin de base, mais après bon. Je me suis dit, oh, je n'ai pas joué tant que ça. Il est sympa comme skin, c'est vrai, mais. Je sais pas si j'aurais beaucoup joué avec le skin. Mais il est quand même sympa, malgré tout. La pioche, par contre, j'aime bien. Mais après, j'ai plein de pioches similaires, avec une autre custom différente. Donc, c'est vrai que bon. 500 V-Bucks, ok. 300 V-Bucks, je dis 500 V-Bucks. Le retour du pack, bon, celui-là, on connaît bien. Le pack solaire, donc le skin sur ta 1200. Le planeur est à 800, voilà. Le deuxième skin est à 1200, comme je l'ai dit. Et la petite pioche est du coup à 800 V-Bucks. Jusque-là, on connaît. Oh, ils l'ont mis en pack, ce skin-là. Donc moi, je possède le skin féminin. Donc c'est pour ça que. Genre, le pack, on coûte que 300 V-Bucks. Genre, vraiment, je possède qu'un seul truc. Ce skin-là, je l'ai déjà. Donc le skin ici, je l'ai déjà. Donc, il sortit il y a longtemps, ce skin-là. Il était rare en plus. Du coup, celui-là aussi, bah. Ouais, j'avoue que c'est les skins robots. Bon, c'est vrai, il y a un petit côté futur, on va dire. C'est des robots stylés, hein. du coup, celle-là, elle était rare, la pioche aussi. Ah, mince, elle est un petit peu floue avec le téléphone. Ah, c'est bon. Cette pioche-là, elle était rare pendant une bonne période. Donc, tous ceux qui la possèdent, les gars, vous avez sûrement une pioche rare dans votre casier. Enfin, du moins, vous avez une pioche rare dans votre casier. Le petit revêtement. Ce revêtement est sorti plus tard, non? Ça me dit rien. Il était pas avec les skins de base. Ils l'ont mis avec dans le pack. Ok. Bon, pourquoi pas. C'est. Pourquoi pas, les gars. Son vêtement de base, il va pas avec les skins, non? Ils l'ont mis avec, mais c'était pas avec eux, non? Bon, écoutez. Pourquoi pas. La boutique quotidienne, la chasseuse éclaireuse. Excusez-moi pour le message au milieu de l'écran. Le problème, c'est que quand c'est téléphone, vous avez toutes les notices de téléphone, donc. J'ai voulu l'enlever chaque fois, bah faut pas enlever le wifi parce qu'après sinon je peux plus faire de la vidéo sur Fortnite donc c'est un peu compliqué. J'aurais bien enlevé le wifi pour pas qu'il y ait de messages au milieu de l'écran. Mais bon, le problème les gars, c'est que ça m'aurait enlevé internet et du coup j'aurais pu plus faire de vidéo sur Fortnite, ça aurait été compliqué. Donc là dans sa dégraisse, la petite hache du coup qui date aussi cette date hache là. C'est de l'époque du chapitre 1 tout ça. La petite danse rétro, danse de saison 1. Chapitre 1, je veux dire. Bah, une des premières saisons, quoi, quasiment. La 1-1, bon, celle-là, on connaît, classique. Normalement, on est bon, ok. Toujours disponible de The Killer Wa, pour ceux qui le voulaient encore. Il est disponible encore. John Cena également. Toujours disponible, bien sûr, le nouveau pack, c'est logique. Les survivants. Horizon Zero Dawn. Le nouveau pack, ceux qui font le nouveau pack. C'est plutôt le casier de la maman de Benji Fishy. J'allais le prononcer mal. Et le club de Fortnite. Donc, okay, bon, on n'a rien de spécial de nouveau dans la boutique. Bah, tant mieux, hein. J'ai envie de dire, moi, ça fait pas de bugs à dépenser, au moins. Bref, sur ce, moi, je vous dis à demain, les gars, pour une prochaine vidéo. Surtout, prochaine vidéo et prochain live, peut-être. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un nouveau PC, je sais pas si vous me redonnez l'ancien, ils vont le réparer tout neuf. Ils mettent tout ce qui est beau neuf, ou. J'espère vraiment qu'ils me redonnent mon PC, quand même. Avec tout neuf, on va dire. Et que j'aurais rien perdu qui est dedans, mais je suis pas trop optimiste pour ça. Je pense que si un jour il me redonne mon PC, je sais pas quand,
Je vais sûrement perdre tout ce qui est dedans. Ça, c'est sûr. Ils m'ont rien dit pour ça, mais j'aurais vraiment le seum parce que avec tous les trucs que j'avais préparé en plus, j'aurais trop le seum. On verra ça, écoutez. Ça sera la journée, peut-être, j'espère bien avoir des nouvelles aujourd'hui. Sinon, je sens que je perds patience. Au bout d'un moment, ça. Ouais, bref, sur ce, à demain, tchuss!